Hello tout le monde, c'est Jay Steinsman pour un nouvel épisode de PsychoFX et aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la 3D. La 3D est devenue un outil très puissant au sein des productions hollywoodiennes. Au fur et à mesure que les années se sont écoulées, de nombreux blockbusters ont utilisé ce procédé permettant de concevoir ce que l'on appelle de la CGI. CGI, ou d'après la description Wikipédia, Computer Generated Imagery. Il s'agit au sens informatique du terme, du fait d'utiliser des ordinateurs afin de générer des modèles 3D permettant soit de réaliser des films d'animation, soit de les intégrer dans des décors réels. Bien souvent, elles sont générées par des ordinateurs, mais pour pouvoir mettre en place des résultats complètement fous tout en respectant les dates de sortie, les studios de post-production s'équipent de render farms permettant à l'intégralité d'une grappe de serveurs de pouvoir calculer des images avec des configurations d'ordinateurs incroyables. Le problème, c'est qu'une render farm, ça coûte cher en termes d'équipement. Donc pourquoi est-ce que moi j'en aurais besoin? Pour une raison très simple, la 3D est un domaine sollicitant de multiples corps de métier et parfois très spécialisé. C'est bien simple, allez voir le générique de n'importe quel Pixar et lisez l'intégralité des postes que vous y trouverez. Vous y constaterez qu'il existe aussi bien des postes qui concernent le compositing 3D, à savoir la mise en scène des personnages 3D, que des postes entièrement dédiés au rendu final du fichier de sortie de l'image. D'ailleurs, ce rendu, parlons-en, je suis totalement incapable de vous énumérer l'ensemble des technologies permettant de peaufiner un rendu 3D réaliste. Je sais juste qu'une seule chose, c'est que la dernière fois que j'ai fait de la 3D et que j'ai utilisé l'occlusion ambiante, j'ai multiplié par 50 la durée totale de mon rendu final, qui n'était même pas de l'ordre de l'heure, mais de la semaine. Et donc, comme vous l'aurez compris, que ce soit dans la maîtrise de logiciels que dans l'encodage d'une vidéo, la 3D est très rapidement devenue un domaine qui est extrêmement chronophage dans la conception d'une vidéo. Mais nous avons After Effects et nous avons de multiples entreprises de génie qui créent des moteurs graphiques facilement intégrables et en temps réel dans nos logiciels de montage et de compositing préférés. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter deux techniques qui vous permettront de vous lancer très facilement dans la conception d'effets et de films en 3D, le but étant de voir laquelle des deux techniques est la plus avantageuse. Spoiler alert, c'est la deuxième. La première technique consiste à utiliser un système de calcul 3D déjà inclus dans After Effects qu'Adobe appelle le lancer de rayon, vous constaterez la magnifique traduction québécoise, ou ray tracing en anglais. Alors rien qui concerne essentiellement un effet spécial ici, le but étant principalement de réaliser du design animé, c'est-à-dire des textes et des logos en 3D. Cette fonctionnalité n'est disponible que dans After Effects CC, mais si vous disposez du logiciel et que vous ne l'avez pas mis à jour, vous pourrez quand même vous en servir. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de changer le système de calcul 3D de 3D simple à 3D avec lancer de rayon, et voilà, vous pouvez créer de véritables calques de texte en 3D. Suite à cette modification, deux options apparaissent dans un calque 3D, des options de géométrie pour la génération de l'objet, et des options de surface pour donner de la texture à l'objet et faire suer votre carte graphique. L'avantage de se servir du ray tracing d'After Effects, c'est que si vous avez un ordinateur de taré, il devrait pouvoir gérer votre composition comme un champion. L'inconvénient, c'est que dans ce mode, adieu les modes de fusion de calque, pour pouvoir vous en servir, il faudra pré-composer vos calques et réactiver la 3D simple. C'est beau, c'est rapide, c'est magnifique, mais c'est un tout petit peu chiant quand même. Et c'est aussi pour ça que je m'en sers jamais. Je préfère la deuxième technique. La deuxième technique consiste à utiliser Element 3D, c'est-à-dire un effet venant d'un éditeur tiers que vous installez dans After Effects. Pour la modique somme de 195,90$, ou alors gratuit sur le meilleur site de piratage de tous les temps, c'est-à-dire Google, vous vous retrouvez avec un moteur graphique intégré à After Effects, permettant une technologie de calcul temps réel extrêmement rapide. Il suffit juste de dropper l'effet Element 3D sur un calque, et de cliquer sur Options pour accéder à cette interface. Dedans, vous pourrez utiliser une bibliothèque d'objets que vous avez installée sur votre ordinateur ou n'importe quel objet 3D compatible. Pour importer votre objet, il suffit de cliquer dessus et de lui affecter un numéro de groupe. Vous pouvez également lui ajouter des textures à partir de là. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK et boum, votre objet en 3D est dans la composition. Vous pouvez ensuite animer l'objet de manière classique avec des images clés en regardant les propriétés du groupe que vous avez choisi,
ou même créer un objet nul pour faciliter le travail. Au passage, Element 3D est également un générateur de particules, ce qui vous permettra de dupliquer un seul et même objet très rapidement et sans trop pomper votre carte graphique. En ce qui concerne le X-Wing, je l'ai téléchargé sur un site qui s'appelle turbosquid.com qui propose une large bibliothèque d'objets 3D que vous pouvez télécharger et intégrer avec Element 3D. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger l'objet, le mettre dans le dossier d'Element 3D où sont stockés tous les objets 3D, et vous devriez être bon. Alors histoire de bien comprendre ces deux techniques, voici un petit workflow très rapide qui vous permettra d'intégrer vos objets 3D dans une séquence que vous avez déjà filmée à la caméra. Et comme dans toutes les incrustations, il faut d'abord commencer par traquer votre caméra. Pour cela, il suffit d'utiliser le suivi 3D d'After Effects, puis de générer une caméra 3D et un objet nul à l'endroit où l'objet doit se trouver. Puis avec Element 3D, il suffit de choisir un modèle, le texturer, puis l'intégrer avec un deuxième objet nul, en copiant les données de position du premier objet nul. Une fois que c'est fait, vous avez fini en fait, vous faites ce que vous voulez en fait. La grande force d'Element 3D, c'est que c'est un plugin qui a la particularité d'être d'une rapidité d'exécution déconcertante. À mes yeux, c'est le nouveau plugin indispensable à avoir pour tous les novices qui veulent se lancer dans de l'animation 3D simple. Vous avez juste à avoir les objets 3D au bon endroit, les animer et tweaker quelques paramètres pour avoir un meilleur rendu. Ce plugin offre également d'autres options qui permettront aux connaisseurs d'affiner le résultat. Des fois que vous n'ayez pas remarqué, c'est mon plugin préféré de tous les temps. Je vous invite donc à vous y intéresser. Personnellement, je me sers de ce plugin quasiment tout le temps. J'ai réalisé mes dernières intros avec Element 3D. Et le pire, c'est que c'est même pas un placement de produit, putain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de PsychoFX. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez des idées d'effets que je pourrais éventuellement couvrir dans un prochain PsychoFX. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux si elle vous a plu. Et aussi, n'oubliez pas que si vous voulez passer dans PsychoFX, j'ai aussi une adresse mail pour vous, n'oubliez pas, une vidéo de 30 secondes pour faire la promotion de votre chaîne. Et ayant eu peu de demandes, je relance un petit peu, comme ça, ça vous permettra, vous aussi, de passer dans une vidéo et de pouvoir faciliter le trafic de vues sur YouTube. Un peu d'entraide, ça fait toujours du bien. Je vous dis à tous, à bientôt, la bisette.